J'avais envie d'un personnage, en fait, avec une économie de moyens, une économie de technique aussi, de couleurs. Et j'ai utilisé mon crayon noir essentiellement pour réaliser ce petit pingouin, pour lui donner vie. Malgré tout, j'avais quand même envie de mettre un peu de couleur, donc je lui ai fait son bec en jaune, des petites joues. Il habite sur la banquise et sa maison sur la banquise, c'est un igloo. Et Léon, il vit avec son papa et sa maman. Là, c'est le papa. Et puis, il y a aussi la maman. Voilà. Alors, je noircis un petit peu moins quand j'arrive au-dessus de la tête pour donner un peu de volume. Puis j'aime bien aussi qu'il y ait un peu de matière donnée par le crayon, en fait. C'est ce qui fait vibrer un petit peu aussi le personnage. Voilà, toute la famille sur la banquise. L'album commence à la veille de la rentrée. Et Léon n'a pas très très envie d'aller à l'école. Alors il interroge son copain Francis et s'inquiète de voir que Francis, lui, ne va pas à l'école. Francis, lui, est plutôt content de rester chez lui, hein. Il se dit, bon, ben, ma foi, moi, j'ai pas trop envie d'y aller à l'école, donc ça tombe bien. Et donc, Léon, il va aller trouver sa maman, il va lui dire que, bon, ben, c'est pas juste, lui, Francis ne va pas à l'école, alors lui non plus, il va pas y aller. Et puis, sa maman lui répond que Francis est un poisson et que les poissons ne vont pas à l'école. Mais ce qui inquiète surtout Léon, évidemment, c'est avant tout son doudou qui va rester à la maison. Et que va faire son doudou tout seul à la maison pendant que lui est à l'école? Eh bien ça, ben voilà, on le découvrira dans la nouvelle histoire de Léon à l'école.